Lancé le 13 octobre dernier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'opération de proposition d'orientation prend fin demain, mercredi 4 novembre. Plus de 81 000 nouveaux bacheliers sollicitent via cette opération une filière, soit dans le privé ou le public. L'éclairage de Franck Quadio. C'est demain 4 novembre que prend fin l'opération de proposition d'orientation ou de choix de filière au niveau de l'enseignement supérieur. Lancée depuis le 13 octobre dernier, cette opération va permettre aux nouveaux bacheliers de cette année universitaire de choisir aisément leur prochaine destination. Et cela consiste à prendre le fichier remis et validé par la DECO des bacheliers, à appliquer les critères d'admission dans les différents parcours ou différentes filières des universités et grandes écoles privées. Ils sont au total 81 594 nouveaux bacheliers concernés. 57 707 sont allés sur la plateforme. Donc, il y a 23 887 pour des raisons diverses ne sont pas encore allés sur la plateforme. 26 521 ont eu des propositions pour les universités publiques. Sur ces 26 000, 22 356 ont déjà fait leur choix. Il reste donc sur ceux qui sont allés sur, qui ont été proposés dans les universités publiques. Nous avons 4 165 qui ne sont pas encore manifestés. Notons-le, cette opération est depuis 2014 gratuite et les résultats sont disponibles en début de semaine prochaine.